If you're a bitch, what do you think? Fire. For a bitch, what do you think? Fire. La facilité d'une programmation. Facile. I'm having fun for myself tonight. Yay. Yay, le gameplay. Le gameplay. On aime le gameplay. Qui aime le gameplay? J'espère que vous aimez le gameplay. Après, can't stomp the Trump, c'est you can tame the dwarf. You can black the dwarf. You can zwarf the dwarf. Parfait. Ok, donc nous y sommes, il fait sombre, mais c'est bien bon. Easy. C'est bien ça. Ok, où en étions-nous? Parce que j'ai complètement oublié où on en était. Oui, alors le code secret. Cherchez une personne connaissant la signification des mots-clés de l'ardoise, dragon, cicatrice, insurgé et cœur. Il me semble savoir où elle se trouve. Attends, je vais voir mon statut par contre. Où en est mon statut? Statut. Statut, s'il vous plaît. Statut d'un homme. Je suis pas encore rang max en assassin. J'aimerais bien atteindre le rang max en assassin, c'est cool. Commence par checker le cheat des viewers en allant pur seul à la taverne. Bah non, on va arrêter 5 minutes. On va me permettre de laisser jouer, oui. Alors, so. Ouais, et ça dit que c'est toujours la grande sereine. Moi j'aurais pourtant pensé aller à la colline du héros, si vous voyez ce que je veux dire. Je serais allé à la colline du héros, je serais entré et j'aurais demandé au gars de l'engeance des dragons pour qu'il me... pour qu'il me dise si oui ou non il sait quelque chose de la quête. Ça me paraît plus cohérent que de... Teleport. J'aime les téléports. Est-ce que j'ai cette OST, cette vieille OST que j'avais... une vieille OST que j'avais pour moi, qui était Dungeons and Dragons. Non, j'imagine que je l'ai plus, hein, ce serait... Non, malheureusement, je l'ai plus. Quel dommage. L'OSP de Donjons et Dragons, Shadow over Mystara. Tower of Doom OST, peut-être. On peut espérer. C'est un vieux jeu, mais... Mais les musiques étaient tellement cool dans ce jeu. J'ai bien la retrouver. Oh, rien que cette musique. Oh là là, toute mon enfance. Il me la faut, je vais la mettre. Je l'avais ripé quand j'étais petit, putain. Je l'avais ripé. Telarine. Est-ce qu'il y a la musique de Telarine de Tower of Doom? Ce serait trop tellement bien.
Est-ce qu'ils mettent la musique ou est-ce qu'ils mettent tout le combat? Excusez-moi, hein, je sais que vous n'en voyez rien. Mes yeux, c'est tout blanc, je sais. Tout va bien, tout va bien. Rival Terrarine Reborn Version, fais voir. Merde, c'est Shadow over Mystara. Ah. Parce que celle de Shadow over Mystara, elle est cool, mais celle de... Bah alors, pourquoi ça marche plus YouTube? Pourtant, il y a un bitrate qui est stable, tout fonctionne. Que se passe-t-il? Allez! Allez, allez, on me charge la vidéo, que se passe-t-il? Mais allez, allez, on y arrive. On y arrive, on arrête de faire semblant, s'il vous plaît, madame la marquise. Qu'est-ce que c'est que cette dissidence? Le dissidence? Bon, bah écoute. La dissidence d'un PC qui ne veut pas charger la musique que je veux. Normal, il fait nuit. Oh, ce sont des ennemis. Ils ont pas l'air comme ça, mais... La luminosité, Bob. Elle est très bien cette luminosité. On va la booster un peu si vous voulez bien. Vous en faites pas, je vais le faire, je vais le faire. Couleur. Elle est déjà boostée cette luminosité. Attends. Oula. Voilà, elle est déjà pas mal boostée là, la luminosité. Pourquoi ça ne veut pas charger cette vidéo de Telarine? Oh là là, c'est tellement la déception. Pourtant, c'est tellement la musique qu'il me faudrait, quoi. Oh là 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 là. Oh là là là. Ta 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 Elle est un peu trop speed, je trouve, mais... Oh là 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 là. Mais elle est sortie sur PS3, ce jeu, quoi. Oh, en mode Reborn. Mais pourquoi je l'ai pas eu, ce jeu? Ah putain, c'est limited edition et c'est qu'en Jap. Nique sa mère. Oh là 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 là, la qualité de cette OST. Ouh, it's squishy. Oh là 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 là. Qualité de cette OST. Utsukushi. Utsukushi. J'ai dit Utsukushi. Ouais, ça c'est normal, c'est la vidéo d'attente. Ça c'est le thème normal. Ça c'est le thème normal, c'est le thème normal. Sound of Healing, non. Christian Missara, non. Excusez-moi, hein, la musique Holy Avengers. Mon dieu, mais cette qualité, quoi. Telarine thème.
Shadow vers Mystara, Old Enemy Tellarin. Est-ce que c'est juste la mission? La mission. La musique, je veux avoir la musique. Ah, c'est celle-là! Maudit soyez-vous, je vais te montrer ce qu'est-ce que la vraie puissance! Avec tous les typos. Animate Dead! Avec les téléportations, tellement stylées. Tatarin, tatarin, pain. La qualité de ces musiques, Je suis désolé, hein, pour moi c'est la qualité. C'est la qualité. Donc on va la mettre, on va la laisser. Voilà, merci. Et donc vous devriez avoir une meilleure luminosité, c'est pas bien mieux, mais c'est toujours ça de mieux. Écoute. Bon, vous voyez la tête du visage de cet homme avant qu'il ne meure. We have triumphed. Easy. Capuchon de gardien. Masque de bandit, cool. Interventif, très bien. Et ça y est. Super. Soa! Celui! À droite, très bien. Soa! Alors, par contre, la musique du jeu elle est bien, mais elle est un peu pourrie et j'avoue qu'elle est très répétitive donc. Voilà. Moi c'est old school ici. Debout.
Victoire! Eh ben putain, sacré saloperie. Alors du coup, oh attends, vite avant qu'elle disparaisse cette plante, on va la récupérer, voilà, de la luisant lune. Je sais pas si c'est réellement utile, mais on en récupère quand même. Galvaniseur, c'est cool. Oh Sui. Plante des frimas, super. There we go. Et voilà, on pénètre. Donc lui, il saura forcément. J'espère qu'il saura. J'espère qu'il saura. Ah, il saura. Excellent. En voilà une super nouvelle. Well met, arisen of the present day. New forged link in the grand chain. You have come seeking meaning for that slate and the words it bears. There is none. Ah bon? None, save that it brought you here to me. My form can be discerned only by the true arisen. I am the Dragonforged. Go now. Tell him that gave you the cipher of what you have heard here. Sir Maximilian awaits word of what we've learned. Ouais, mais on savait qu'il était là, quoi. Donc la mission, c'était de le trouver. Impeccable. The slate you bear, but take heart. My blablabla. Our task is done. To the capital. Oui, madame. Bien, madame. Enfin, ça va pas m'empêcher de me servir un peu. Putain, elle transpire à l'infini ici. Bon bah super. Du coup, mission accomplie. Alors, code secret, ça c'est cool. Triomphe de DRP, 5 fantômes, 50 clairons, blablabla. Alors, rejoins le détachement. Dis parler au poste de la montagne à Al-7 qui est déjà arrivé aux ruines. Rédemption, catacombe. Ok, victoire, retournez à Maximilien. Donc on va aller aux catacombes. Oui, il faut d'abord sortir. Très bien, j'avais compris ce détail. Alors, allons aux catacombes. Sortons à la lumière du jour. Quoique, attends, on peut peut-être mettre des bonnes, des vraies musiques en fait. Ce que je vais faire, c'est... faire un truc que j'aime bien faire. Vous savez comment je le fais, hein. C'est je prends toute ma zik. C'est-à-dire, je prends toute ma zik. Ouais. Wolf Bob. Je supprime. Je prends toute ma zik et je la fais glisser dans le lecteur Windows Media comme un vieux bourrin. Voilà. Ça prend un peu de temps, hein. Ça le fait charger un petit peu, parce qu'il y a vraiment genre 10 000 fichiers, quoi. Voilà, impeccable. Ok, donc par là les catacombes, impeccable. Allez, c'est parti. Avec la musique de King Arthur and the Knights of Justice. Wouah, une attaque! Jamais.
Oh bah l'autre, il me gâche ma fin. Ça c'est de la vraie zik. Ça passe tellement bien. C'était tellement présent. Bon, on se soigne, on se soigne. Heal. Voilà. Tout va bien, c'est de la musique de voyage, c'est pour ça qu'elle est pas plus forte. Ouah ! Easy. C'est gratuit ça. Magnétite, je sais pas ce que c'est, mais c'est classe. Une pomme. Ouah ! Tellement là cette pomme. Oh. Manger des pommes. Putz, tu chies. Ah, je peux pas l'atteindre. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Pas mal. Du coup, dit Spring with Ether Wounds, eh ben, on a trouvé une nouvelle source de jouvence. Je la connaissais pas, celle-là. C'est cool. Route de la Comté, elle était pas loin en plus. Hein. Ça se passe plutôt bien. On sauvegarde. Allez, vendu. Tan 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 tan. Je te couche. Tout.
monter un poil plus le son de la musique par rapport au jeu. Voilà, c'est pas mal. Allez, impeccable. Oh misère! C'est pas grave. Allez. Écoute. Impeccable. Ça passe tellement bien, cette musique d'un homme, quoi. Go. Je préférais l'épée en feu du coup. Bon, peut-être une musique de situation? Une touffe de cheveux cool? Non.
C'est trop bourrin. Puis elles sont trop fortes ces musiques. Non. Oh, Duiz. Voilà une bonne idée. Duiz, les enfants. Voilà la qualité. Oui, j'avais un début de Offspring. Ho ho, bitch! Mais est-ce que j'avais pas fini de visiter l'étage? Merci Kira Dagneel. Kira Dagneel qui se répand dans le sub-hype. Le subo-hype. Hyper. It leads down below. There we go. There we fucking go. Et on est à l'entrée, très bien. On n'aura plus besoin de refaire le tour à la con. Go! C'est fermé, vous n'avez pas la bonne clé. Damn it. Pas de secret que je devrais connaître. Pas d'astuce, pas de bonheur. Pas de magie, pas de maja ninja. Non, juste une panacée. Ah ah! De l'argent seulement. Miséricorde. Oh! Bon. De ce fait, on peut y aller. Dans les catacombes des ténèbres. Magic time.
dispel this beast. I shall take on the strong. Hooray! Oula, attends. Oh, le fantôme de l'opéra. La qualité d'une OST. Tellement OP cette OSP. C'est pas très marrant. Tellement gothier. Panzer. There, Master. Skeleton Magi. Very well. Good enough. We must stay calm, one at a time. Are you all right, Master? What else would you expect with my help? What's this? Go! Battez-vous pour moi, mes larbins! Qu'il en soit ainsi. Oh! Ah.
a dream. I am perpetual, I keep the country clean. Thank you.
the soul cannot find true pleasure in this world. This rises and struggles against its weakness, bludgeoned by its own heedless throat. In a truth, come to join our flock, arisen. This is the answer, dear Arisen! Unto all things, death and chaos! Miséricorde, faisons le ménage. Palpatine se barre. Massacre. I'd thank you to join me for a moment. Ah. There's no way we could have lost to that. This looks interesting. What connection does this knight's champion have to salvation? It is a mystery. What connection does this knight's champion have to salvation? It is a mystery. It is a mystery! Je ne sais absolument pas. Ce qui se passe ou pourquoi. Moi, tout ce que je vois, c'est un culte à la con. Hein? Un culte à brousou. Quand il a la délicatesse et l'intelligence de bien vouloir s'entretuer comme des glands à l'aide de leurs propres zombies. Tu me diras, ça règle le problème de savoir où ils sont, quoi. Mais il reste toujours un de ces salauds. Et c'est problématique. Voyons ce qu'il y a dehors. Des zealots slipped past, but at least we snared this one. Oh yeah! An humble prize, to be sure. But at least he's talkative. Bien joué, mec. No honor among thieves, eh? T'was just a lark. All in good fun. I never gave over to that rot about destruction and salvation. Never. Just the same. It'd be trouble if we let him go free. Now that he's seen the two of us together. Wait! You promised me! Ha! It's all yours. Ah, merci. The Elysian is not my place to question said your the judgment. Arisen ran counter to the tides. A heretic, he said. But I see you're reasonable sort. The sort like to hear reason. I? Come, sir. What's to be gained from bloodying your hands? It's your choice to make, Arisen. On my way! There's naught can stay the dragon's fire. Let me see. What say we await perdition together? My, my. Didn't know if you'd have the stomach to do for an unarmed man. Ha! Moi, j'ai jamais compris ce concept. Suppose I was wrong to doubt it. Glad to know you're someone I can trust in times to come.
and come they shall. I'll send word ere long, friend. We'll bring this skulk of foxes to bear, you and I. Enfin, je veux dire, je comprends l'intérêt de ne pas tuer des civils, mais quand ton homme... Enfin, quand l'homme que tu cibles, c'est ta cible. Genre, t'es un assassin, ou genre, vraiment, il faut, parce que, il, pour le plus grand bien, il faut... Et tu t'en fous de savoir s'il a un couteau entre les mains ou pas. Tu le déglingues, c'est tout. Je sais pas, ça m'a jamais... Ça m'a jamais. Après l'autre stratégie aussi où ils sont là, non, mais non, si tu le tues, tu ne vaudras pas mieux que lui, qui a tué des millions de gens innocents. Si tu le tues, tu deviendras aussi méchant. Ah ouais, donc buter un mec pas en légitime défense, mais en contre-attaque, en tout ça, non, ça te met aussi méchant que Hitler. En lui, mais bon, bah d'accord, très bien. J'aime ta logique. Donc voilà, quoi, c'est. C'est le. Non, c'est le baron de la pègre, le plus grand voleur de l'univers. Il a tout volé à tout le monde. Si tu lui subtilises cet objet qui l'empêchera à jamais de nuire, tu ne voudras pas mieux que lui. Bah écoute, Gisèle, je te laisse avec tes deals. Hein. Moi, j'essaie d'être efficace et je fais en sorte que. Bah qu'il y revienne pas. Après, c'est pas. Je sais pas. Ça m'a jamais. Je peux comprendre l'honneur. Je peux comprendre, comment ça s'appelle, l'opposition que t'as à attaquer des civils. Mais un ennemi que t'as désarmé, genre tu t'es battu avec, puis il a perdu son épée durant le combat, tu vas pas subitement t'arrêter, tu vois, ça reste ton ennemi. Si c'est un civil avec un bébé entre les bras, là oui, je suis d'accord, y a, ça pose problème. Mais sinon, c'est tout, quoi, Enfin, j'ai jamais compris quel était le deal moral. C'est comme dans les dessins animés, quand tu sais, il y a un méchant qui peut faire change forme. Ça arrive souvent, ça. Quand le méchant peut changer d'apparence, à la Mortal Kombat, à la fin de Mortal Kombat, quoi, à la Shatsung, et qu'elle a « Ah, je ressemble à ton frère, donc tu ne peux pas me tuer. Mais j'ai l'apparence de ton frère, mais je suis le méchant. Et tu sais que je suis le méchant, je viens de me transformer devant toi. Mais j'ai l'apparence de ton frère, tu ne peux pas me tuer. » Bah si, tu le butes... Tu géreras les problèmes psychologiques subséquents que ça t'apporte après, mais tu sais, tu... Je sais pas, je... Et si c'est une civile avec un bébé dans les bras mais un couteau, tu la tues? Bah si c'est une menace. Après, elle avait qu'à choisir entre le couteau et le bébé, c'est tout. Ils font ça comme si c'était une question, quoi. Non, parce que ce que je dis, c'est le scénario qu'il y a à la fin de comment ça s'appelle ? Advance Wars Days of Ruin. Où l'héroïne bute le grand méchant et tout le monde la regarde en lui faisant les gros yeux. Ah là là, t'aurais vraiment pas dû, hein. Alors que le grand méchant est responsable directement de la mort du mari de l'héroïne. Et que, en plus, ils lui disent, mais faut pas le faire par vengeance. Et elle le dit, et elle le regarde et elle fait, je fais plus ça par vengeance. À la base, je voulais faire ça par vengeance, mais je le fais juste pour être sûr que cet enfoiré reviendra pas terroriser tous les gens de la Terre du Milieu. Que son roi reviendra pas, tu vois. Mais tu peux pas faire ça, c'est cruel. Puis elle le déglingue. Et alors que t'as le cadavre en sang, elle les regarde en faisant, écoute, si t'as un problème avec, je te laisse ramener le cadavre. Voilà, c'est... Écoute. Y a pas de souci. C'est pas une question d'honneur, c'est une question de survie, tout à fait. Even had you spared him, doubtless Mason would not have shown such mercy. Elle essaie de me faire la morale. Si tu l'avais épargné, Mason, il l'aurait tué, hein? Ça justifie le fait que tu l'aies eu. T'as pu le faire sans douleur, c'est ça? Ouais, connerie. Mais enfin. Ça n'avait pas rendu son arme au chevalier noir ou à Pan dans Lord of Shadow. Oui, mais là c'est différent, Frankenkorn.
Parce que là, c'est pas une question de morale. C'est juste une question d'honneur dans le combat. Et ça, je peux le comprendre. Mais lorsque tu as vaincu au combat, pour de vrai, tu vois ce que je veux dire? Lorsque tu as vaincu pour de vrai, c'est-à-dire lorsque tu as affronté l'ennemi à 100% de ses capacités et désarmé et vaincu, bah écoute, ça dépend. Si c'est un allié, si c'est ton pote ou si t'as pas envie de le tuer, bah tu le butes pas. Mais après, tu assumes les conséquences, c'est tout. Et tout, c'est tout, c'est pas... Et y a pas de difficulté morale abusive, selon moi. Je veux dire, si t'es pas un espèce d'égoïste, tu peux essayer de penser un minimum aux milliers d'enfants et de femmes que cet homme va tuer si tu le laisses en liberté. Tu peux. Mais après, Bob, il faut l'enfermer, il faut pas le tuer. Ah, je suis d'accord, si t'as moyen de le séquestrer, c'est cool. Mais il faut vraiment que tu sois sûr de toi, parce que à la moindre erreur, c'est-à-dire si t'as pas eu les couilles de le faire et qu'il se barre et qu'il se libère et que du coup il s'enfuit, ça reste en partie ta responsabilité. Quoi. Ça reste en partie ton échec. Donc c'est tendu aussi. Quoi. Des loups et absolument rien d'autre. Très bien. Des loups et absolument rien d'autre. Informer Sir Maximilian. Dans combien de temps je gagne mon level, moi, du coup? J'ai très récemment gagné mon level. Donc, du coup, je peux rentrer à la maison et changer de classe. Ce serait l'idéal. So, this is the Pawn Guild. Magnifique freeze. Oh là là, le serveur n'est pas disponible. Oh bah putain, j'ai eu peur. Oh là là. Oh la terreur pendant une seconde et... Donc on va sauvegarder. Donc voilà. J'ai eu peur. Accès au serveur deuxième partie. Décidément le jeu qui mouline, tu vois. Le jeu qui mouline. Est-ce que je peux du coup dans les options essayer de me connecter ou connexion en ligne, non, c'est bon. Have your pick. Any you like. Understood. Voilà. Yeah, il a réussi à se connecter. Zygma qui m'offre des scrolls, c'est cool. Donner un valide, tant pis. Edward, un japonais. Oh, son nom d'utilisateur c'est Nain 7940. Donc le gars il joue le dwarf quoi. Il joue le total dwarf. Il est là, ready, aim fire. Bref, il est là quoi. Cool. How did I perform? T'as très bien performé, pupus. Bob en live n'est pas Bob en vidéo, vous devez le savoir. Bah oui, parce que Bob dans la vraie vie est parfois le Bob en vidéo, c'est le vrai. Mais seulement quand il fait spectacle, ou qu'il est avec ses amis, ou qu'il s'éclate. Le Bob dans la vraie vie, il a le droit aussi d'être au calme. Enfin voilà quoi, non si peut-être, non peut-être, non jamais, bon bah jamais alors, tout le temps, pas de problème Gisèle. All your travel preparations. Allez, on va poser le bordel. On verra plus tard. Et on va poser ça aussi.
pas équipé de la bague du maître du bâton? Putain, mais c'est naze. What will it be today? Attends, il faut que je finisse de poser les objets. Bob, c'est le Bob en vidéo, c'est le Bob en vidéo pour plaire aux gamins qui regardent Fanta et Bob. Oui, mais je m'amuse aussi en étant comme ça, il faut le savoir. Et c'est pas difficile, c'est juste. Et c'est pas difficile et c'est pas contre nature pour moi, c'est juste. Bah, sur la longue, c'est juste épuisant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, écoute, c'est comme si tu disais Bob au sport, bah c'est Bob qui fait du sport pour faire plaisir à son équipe et marquer des points. Oui, mais je vais pas courir toute ma vie. Foutez-moi la paix. Laissez-moi m'amuser avec vous. Laissez-moi pisser, merde! Laissez-moi gérer mon inventaire! L'inventaire! Oh! Délicieux l'inventaire! Tellement délicieux cet inventaire! Anneau de la déesse, mille mentions de la merde, je n'en serai jamais servi. Pierre d'envol, non. Pierre d'envol, porte à cristal. C'est des contrefaçons, j'ai failli me faire baiser. Porte à cristal, livrez-lui. Donc prends-le. Transpire éternel, prends-le. Stratégie de chimère, stratégie de griffon, tactique d'ogre, stratégie des harpés. Je crois que je les avais tous gérés, bouteille d'eau, tout ça. Une bataille de bouteille d'eau de source, voilà qui fait bon. Dans les outils, je peux avoir la lampe torche. Voilà, super. Est-ce que je peux avoir des bouteilles de poids? Poids? Voilà, très bien. Très bien, très bien. Les matériaux sont là. Et ça, c'est nouveau. Anneau du grand Wyrm. Le simple fait de le posséder permet de lancer des sorts plus rapidement. Oh là là. Ça, oui, c'est classe. Objet clé, objet clé. Objet clé, rare. Objet spécial. Ok. Objet clé, objet clé, objet clé, objet clé. Ok. Ah, ensuite la pierre de réveil. Idole en bronze, ça me permet d'avoir un rabais. Mais si j'ai l'idole en bronze et l'idole en or, j'espère que ça me fait un rabais supplémentaire. Voilà. Pas de caractéristiques. Combinable rare, pas caractéristique, combinable rare. Objet maudit, je sais pas comment les défaire. Ancien rare, affinité, pas de caractéristique, rare, rabais, mécanisme. Bonjour. L'éclat de pierre de réveil, si j'en prends 3, elles vont se transformer en vraie pierre de réveil, ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool. Anneau d'argent pur, il faut les vendre, ça je crois. Hein. C'est la seule utilité qu'ils ont, ces objets. Oui, attends, j'avais pas la lettre. Ah non, j'avais demandé qu'elle se fasse reproduire, la vraie. Super. Qu'est-ce que c'est? Herbe du diable et encens apaisant. Ok, très bien. Argence, je sais pas ce que c'était, et corne de couleur argentée. Hop, j'aimerais déposer justement la fameuse pierre de réveil de l'invulnérabilité totale. Dans les objets, j'aimerais pouvoir me servir de ça, super. 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 Impeccable. Super. Hop. Get Dunked Down, les mecs qui reconnaissent la musique instinctivement, c'est chaud. Moi j'ai découvert le jeu très récemment. D'ailleurs j'ai commencé par un run génocide, j'ai pas tout compris à l'histoire, j'avoue. Parce qu'en fait je voulais farmer avant d'avancer dans l'histoire, quoi. Je voulais essayer de farmer le plus possible parce qu'en fait j'ai remarqué qu'au début du jeu, dans tous les jeux de RPG, si tu farmes beaucoup au début, t'as jamais de problème par la suite, tu vois, et après t'as plus de problème, t'avais plus besoin de farmer au reste de l'histoire, et à un moment, but nobody came. Après tu one shot Toriel, quoi, t'es là, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas grave. What will it be today? Have your pick, any you like. What will it be today? Nombre de coups est augmenté, clairvoyance, poudre du chaos, toile de la mort, gambit, lune sanglante, colère barbare. J'aurais acheté celle-là. La level 2. Tueur de géant, je vais pas l'acheter. Morsure du vent, baiser mortel, c'est déjà bien. Ataraxie, célérité. Oh, la durée de l'effet est augmentée, intéressant. Ninjutsu, veuf noir, invisibilité, assassinat. Ça c'est pour le truc. Quintuple tir.
Votre force et défense augmentent lorsque vous êtes seul. Qu'est-ce qu'elle peut apprendre de mieux, Natalia? Rien. Aura de guérison, il est nouveau. Qualité de restauration de la vie est augmentée. Vas-y. Projection arcanique, non, on s'en fout. Force de l'esprit, bénédiction, augmente la durée des enchantements. Ah, intéressant. Puissance d'attaque, très bien. Non. What will it be today? What will it be today? Très bien. Have you paid? Come again. Ok, on va sauvegarder et on va changer de classe. Par contre, je me suis fait très plaisir pour le run génocide et c'est vrai que, putain, Sans, il m'a donné tellement de mal. Enfin, tellement de mal. Je l'ai eu au bout de genre du 12e essai, quoi. Donc j'ai passé mon petit quart d'heure, mais c'était très intéressant. Et enfin, par contre, j'étais déçu en refaisant le jeu de me rendre compte que c'était ultra simple, en fait. Quand tu fais pas le run génocide, c'est ultra simple. Les boss, ils sont tout gentils et tout, ils y vont tout doucement. Alors, changer de classe. Assassin, c'est cool. Le problème, et ça me donne plein de points de force. Le problème, c'est que j'ai déjà pas mal de points de force. Ça commence déjà pas mal à monter. Paladin, je le sens pas parce que je suis pas du tout mage. Archer mage, je le sens pas non plus, tu vois. Chasseur non plus. Peut-être rôdeur. Rôdeur a une augmentation de stats assez équilibrée, si je me souviens. Rôdeur de base, ça fera plaisir. Je pourrais reprendre Gaillet plus tard, mais... Have your pick. Any you like. What will it be today? What will it be today? Ok, allons-y. Alors, la grosse armure, c'est la meilleure. Cette armure magique du démon, quoi. Je suis en train de regarder les armures, hein, mes excuses. Hein. J'avoue que le plastron en argent en dessous, quoi. Pouah, tellement swag. Avec les pectoraux en argent. Avec une belle cape, ça rendra bien, anyway. Ok, voyons voir. Non. En plus, cuir rouge, c'est un style. Ah, il me faut un pantalon avec ça, mais... Ça a son petit charisme.
Oh! Oh! Oh, ce slip! Gotcha. Oh, c'est classe ça par contre, ces vêtements. Pourpoint incarnat. Très stylé. Oh, Shingeki no moustache. J'oserais jamais. Ma défense baisserait de trop. C'est parfait. Après la cape va tout faire. La cape va déterminer si oui ou non c'est un vêtement acceptable ou pas. Donc faut faire très attention. Oh, la cape de super-héros quoi. Oh, oh là là, il est la cape de héros. Là, le pantacourt de chevalier, manteau de la bête légendaire. La cape de chevalier, macho, macho, macho man. Oh là là. Oh, J'hésite entre la cape de héros et la cape de chevalier. Parce qu'au moins celle-là couvre les épaules, tu peux donner l'illusion quoi. C'est pas négligeable. Tellement là, quoi. Tellement là. Donc ça à peu près c'est sûr. Mais pourquoi 443? Pourquoi elles sont à deux endroits différents si elles sont aussi puissantes les unes que les autres? Ça ne fait aucun sens. Ça c'est sûr. 412, 335, donc ça c'est de la merde. 347, donc ça c'est pourri. 434, donc c'est pas mal. 407 et 412. Oh, il est bien là, incarné, je vais le prendre pour la peine. Hop, même s'il est level 2 et que du coup voilà quoi. Mais il est bien. Plus il pèse, moins lourd. Today. Have your pick, come again. Aye. Here we can rest, manage inventory and skills, and so on. Tellement là. Parfait. Alors, compétences. Apprendre des compétences. Mort survivant, éventail de sang et averse maudite. Un mur de flèches dans les airs qui arrose une large zone. Merci.
Ça a l'air inefficace à souhait. What will it be today? Moi, je me souviens que c'était inefficace à souhait. Un baiser du mortel, morsure du mort, ataraxie, quintuple tir, haute tension et... Ah, il n'y a pas l'œil de lynx. L'œil de lynx, l'œil du loup. Autonomie, votre force et votre défense augmentent lorsque vous êtes seul. Ah, on verra un peu comment ça fonctionne. Non, Barnaby qui veut que je l'escorte, il ira se faire foutre. Oh, oh, parfait. Alors, voyons voir, pardon. Est-ce que tu peux améliorer mon merdier ? Du crin étrange, super, bah, je peux l'améliorer, super. 665, force de arc de chasseur. Attends, wait. Arc de chasseur, c'est ce que j'ai ? Attends une seconde, j'ai ça sur moi en fait, c'est pour ça que tu me dis ça. Mais je peux l'améliorer en plus. Mais attends, c'est complètement OP. Attends, c'est complètement OP, c'est complètement OP. Viens là, Gisèle. Ah ouais, d'accord, ouais. Ok. Je peux pas l'OP, il me faut des plumes de griffon. Ah, j'ai la déthéonorite, il me faut de l'astracite, je n'en ai qu'un, tant pis. C'est cool. La tiare des lumières, il me faut quoi? Du fric pour l'améliorer, on va faire. Plastron en argent, il me faut du minerai d'argent. Je n'en ai que 6, quel dommage, quel dommage. La noircie, les jambières lacées, les cuissardes sombres, la cape de chevalier dragon. Des joncs dorés, il me faut de l'or des catacombes, j'en ai 4. Ah, c'est cool. Hop. Un surcot de cardinal, du sérum d'hydre, des runes de force, juste de l'argent, on va dépenser. Oh là là, rapière d'argent, c'est cool. Et est-ce qu'ils vendent des meilleures choses du coup? Non, ils vendent toujours la même merde, écoute. Toujours le même merdier. Non, il vend rien de glamour. Ok, très bien. C'était la vérification. Ok, donc maintenant qu'on a bien tout ajusté, je vais aller refinir de voir l'aubergiste pour lui rendre tous les objets qui ne me servaient à rien. Comme cet arc. Voilà. Et cette épée. Très bien, on peut sauvegarder. Et on peut avancer sur la suite de l'histoire. Impeccable. Impeccable. Ah oui? Tu veux te coucher? Avec moi? Moi je veux me coucher aussi. Fun is not allowed. Indeed. Ah là là. Le fun qui n'est pas allowed. Bon, est-ce que tu m'autorises juste à tester 2 minutes mon perso en slip? Il est habillé quand même de manière très 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 tendancieuse quand même. Victoire, victoire. Très bien. Il est délicieux avec ce slip. Je cherche une vraie musique. Tellement là. Let's begin with that. Grant me revenge. If you do not listen, then I howl at you.
C'est bientôt la fin du fun, chers amis. Le serpent, ce sera bon, je pense. On libère ce minable, la cinématique se fait, il est content. Ok, on peut assumer qu'il est content. Bien. Eh bien écoutez, tout va bien les enfants. On s'est bien reposé, on s'est bien amusé, tout est allé bien. Ha ha ha, trop lolo, tout ça. Vous êtes bien dégosillé, hein, ça m'a trollé, ça s'est bien passé. Ça a bien sorti sur Street Fighter V, hein, où Lennon n'a pas encore tous les outils, bien sûr. Mais s'en est plutôt sorti, c'était plutôt pas mal. Ça fait des bisous, ça donne de l'amour, demain ça bosse. Parce que je rappelle que la moitié d'entre vous est soit chômeur, soit étudiant. Donc du coup, oh, il va falloir faire semblant de bosser demain. Que ce soit dans les fausses recherches de boulot ou dans les faux cours, c'est ça qui est bon. Je vous fais des bisous et je vous dis bye bye avec un moule beat d'une... Attends, il n'y a pas un pierre? Non, c'est bon. Un moule beat d'une qualité. La qualité de ce moule boule. Oh là 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 là. Sur ce, je vous fais des bisous. Non mais regarde ce moule boule. C'est le moule boule le plus total, ça veut rien dire. Allez, des bisous, on sauvegarde et à la prochaine. Bisous. Thank you.